Charles Monnier face au Muciste. Alors Pierre, tu es fils d'agriculteur, c'est donc à la ferme que tu grandis et que tu touches tes premiers ballons de foot. Ouais, c'est ça, je suis fils d'agriculteur, mais mes deux parents le sont, ils sont éleveurs de porc, et donc voilà, je suis né avec mon frère qui a 2 ans de plus, et ma sœur un an de moins, et je suis baigné dedans. Ouais. Donc raconte-moi, vous jouez au foot à la ferme, c'était comment? Ben, c'est un petit peu ça, on avait une cour avec une partie d'herbe, et mon frère... Mon frère a tout de suite baigné dedans parce que ma tante était coach, voilà, coach des petits à Bazouge où on était. Et à 6 ans, lui, il prend une licence et voilà, j'avais l'habitude de passer tout mon temps avec mon frère. Et quand je l'ai vu partir jouer au foot, j'étais jaloux, donc je pleurais tout ça. Et donc ma tante, elle a dit, écoute, il y a une place si tu veux, mais bon, c'est dans les buts parce qu'on a déjà toute une équipe. Donc à 4 ans, voilà, j'ai commencé le foot avec mon frère et donc en coach ma tante. Et après, dans la ferme, c'était tout le temps, on jouait tout le temps au foot. Voilà, c'était dans la cour. Je me souviens même quand il pleuvait à torrent, on jouait dans l'herbe, on revenait. Mes parents étaient dégoûtés parce qu'on était dégueulasses. Mais c'était ça, mon enfance, c'était baigné dans le foot avec mon frère beaucoup. Dans le monde du foot, il y a peu de joueurs qui viennent de ce milieu-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? C'est surtout les valeurs que m'ont apporté mes parents et ce milieu. Parce que voilà, mes parents, ça a été très compliqué pendant des années. On sait que l'agriculture, c'est un métier compliqué où il faut beaucoup travailler. Et en plus de ça, voilà, financièrement, ça n'a pas toujours été bien. Mais mes parents, ils se sont accrochés et aujourd'hui, ça va très bien. Et ils m'ont transmis ces valeurs et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un parcours peut-être atypique. Donc tu disais, c'est avec ta tante, coach à Bazouges-la-Pérouse, que tu commences le foot. T'as pas voulu y rester en fait dans les buts? Non, j'ai fait 4 ans à peu près, mais j'ai adoré. J'adore être dans les buts, même quelques années après, quand j'étais au Stade Rennais, dès qu'il fallait un gardien, j'y allais. Par contre, je crois que c'est à 8 ans où j'ai voulu marquer un petit peu plus. J'ai voulu être un petit peu plus sur l'offensive et voilà, je suis allé... Je suis allé sur le terrain vu qu'avec mon frère jouait que voilà, j'avais autre chose à faire que d'être dans les buts. Donc à l'âge de 10 ans, tu es recruté par le Stade Rennais et tu n'es pas le seul Lemonnier à intégrer le club. Et mon frère, ouais, j'ai 10 ans, j'arrive en Benjamin, mon frère il a 12 ans, il arrive en moins de 13. Et en fait, notre coach à Bazouges dit, écoutez, ce serait bien qu'ils essayent quelque chose à Rennes parce qu'à Bazouges, voilà, ils vont pas progresser. Fin. C'était pas pour nous. Et le truc, c'est qu'on habitait loin de Rennes. On habitait à 45 minutes. Et s'il n'y en avait que l'un de nous à être pris, on n'y allait pas. Donc en gros, c'était ou les deux ou personne. Et donc, quand on apprend le matin que moi je suis pris, mon frère, ça lui mettait une petite pression supplémentaire. Et heureusement pour moi et pour tout le monde, il a été pris aussi l'après-midi. Et c'est pas trop un choc à 10 ans quand on quitte Bazouges pour aller à Rennes? Non, parce que je vivais tout le temps chez mes parents. Et c'est là où mes parents, eux, ont fait beaucoup de sacrifices parce que leur métier prenait beaucoup de temps et malgré ça, ils ont pris énormément de leur temps pour nous emmener à faire nos entraînements à Rennes. C'était 3 voire 4 fois par semaine, donc voilà, ça prenait beaucoup de temps. Donc tu poursuis toute ta formation là-bas jusqu'à devenir un titulaire en CFA2. Mais en 2013, on ne te propose qu'un contrat amateur. Est-ce que c'est la désillusion à ce moment-là? Tous mes potes de ma génération, ils partent parce qu'ils ne sont pas conservés. Et moi, on me dit, écoute, ce serait bien que tu restes un an de plus et que tu encadres les jeunes. Et l'année précédente, j'avais fait pas mal de séances avec les pros. Donc je me suis dit, écoute, c'est possible que j'en refasse. Et donc je re-signe. Après, le souci, voilà, il n'y avait plus personne de ma génération. C'était les générations en dessous. Et effectivement, les générations en dessous, elles partaient cette année-là chez les pros. Et moi, j'y allais plus du tout. Donc... Au moment de signer, j'étais content et puis durant la saison, c'était un peu compliqué de voir les mecs un peu plus jeunes y aller et pas moi. Donc un an plus tard, tu t'engages avec la réserve de Dijon. Tu disputes quelques matchs avec les pros, mais tu es victime d'une pubalgie. Est-ce que c'est ce qui t'empêche de percer en Côte d'Or à ce moment-là? Ça a été une période très compliquée où il a fallu un temps d'adaptation. Et puis malgré tout, intégrer un groupe pro, c'est pas évident. Et puis surtout, j'ai eu ma pubalgie. Donc voilà, ça a été quelques mois compliqués avec mes parents qui m'appelaient tous les jours savoir comment ça allait. Et voilà, après, moi, je remets pas la faute sur la pubalgie. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'autres facteurs. On va dire que ton parcours du combattant continue un petit peu parce que tu quittes Dijon et tu m'avais confié que tu as pas mal galéré pour rebondir après. Ouais, c'est ça. Franchement,
je retourne, j'appelle mon agent à l'époque, enfin c'était pas un agent, c'était un ami, c'était Michel Sorin. Et je lui dis bon, maintenant on fait quoi? Et il me dit les Ligue 2 c'est mort, les Nationales c'est mort, les CFA ça va être très compliqué, et si tu veux j'ai un club pour toi, c'est Granville CFA 2. Et là je me dis bah CFA 2, donc je redescends en 5e division. Et donc je m'en vais faire un essai là-bas, déjà je fais un essai, et je suis pas bon en plus. Et au bout de 5-10 jours, je rappelle le coach, je dis bon, ça se passe comment? Et le coach, il me dit clairement, il me dit écoute, voilà, on n'a pas trop aimé le footballeur en soi, parce que, et c'est vrai, je n'avais pas été très bon. Il me dit par contre, voilà, on est prêt à parier sur toi parce que tu as l'air d'être un bon mec et dans l'effectif, dans le groupe, tu peux être important. Mais par contre, tu n'attends pas à jouer parce qu'il y a de très bons défenseurs centraux. Et donc là, ça a un petit coup de massue, mais. Mais voilà, après, tout ce que je fais, j'essaie de le faire à fond. Et donc, je me suis éclaté à signer là-bas. Au final, tu passes tes meilleures années à Granville avant d'arriver au Mans. Et donc, un ancien coéquipier à toi, Marius Musina, a une petite question pour toi. Salut, mon petit fermier. Donc, une petite question pour toi. Je voulais savoir pourquoi tu as des crampes au bout de 30 minutes. Allez, la bise. Ah putain, Marius Musina. C'est la légende du club, lui. Il dit ça parce que déjà à l'essai, quand je suis arrivé, j'avais fait la route de Dijon jusqu'à Granville. Et le lendemain, on avait fait opposition et au bout de 60 minutes, j'avais les crampes. Et même une fois, j'avais été blessé. Et quand j'étais revenu, au bout de 60 minutes, pareil, j'avais des crampes. Donc je pense que c'est resté un petit peu là-bas. Et donc avec ce coéquipier, notamment, vous vous révélez aux yeux du grand public lors d'un quart de finale de Coupe de France face à l'OM en 2016. On va bien frapper, très bien frappé, oh là avec là, cette tête piquée de Pierre Lemonnier. Et pourtant, aucun coup de fil de club pro ni même de national après ça. Ouais. Ouais, alors que voilà, on avait fait un très bon match. J'avais peut-être sorti le meilleur match de ma carrière. Et tout le monde derrière me dit ah, c'est sûr, tu vas partir et tout. Donc je reprenais espoir et en fait, j'ai eu aucun coup de fil si ce n'est un club belge. Un club belge, c'était Rouleurs, et voilà, ils étaient très intéressés. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Sur le moment, j'étais très déçu, et la reprise en CFA à Granville a été très compliquée, où il a fallu du temps pour me remettre dedans. Et toujours à Granville, tu fais la connaissance de Jérémy MS, qu'on connaît bien au Mans, et lui aussi, il a une petite question pour toi. Salut mon Pierrot, écoute, j'espère que tout va bien. J'ai une petite question à te poser. Tu m'as blessé deux fois déjà, une fois à Granville, une fois au Mans. Donc je me pose un peu des questions. Sauve-toi de l'argent ou j'ai fait une connerie ou voilà, j'aimerais que tu m'en parles dans ce cas-là. Ou la deuxième option c'est que ben, on s'entend super bien, t'es mon ami, donc voilà, tu fais tout pour me sauver et j'opte plutôt pour cette possibilité. Donc j'attends ta réponse impatiemment. Allez bisous. Comment tu l'as blessé Jérémy? Ah lui c'est mon soldat, lui c'est depuis Granville, on fait les matchs ensemble, voilà on est très connectés et par deux fois on l'a peut-être pas été. Où en fait c'était un match à Sablé à l'époque avec Granville, je lui ai fait une cicatrice dans le genou, où je lui ai rentré dedans et il savait pas trop s'il pouvait encore continuer le match. Et la deuxième c'était en National, je crois, c'était à Dunkerque. Pareil, bon là je le sauve par contre, où il y a un, je sais plus, c'est sur le côté, il y a le mec qui il pousse, il frappe. Et là, je le contre, et si je ne contrais pas, ça allait dans le but. Et avec mon pied gauche, donc je tacle avec le pied droit, pied gauche, pareil, je lui fais une deuxième cicatrice sur l'autre genou. Et on en rigole souvent parce que sur la vidéo, on voit comment il se frotte et tout. Vraiment, c'était excellent. Au final, Le Mans promu en N2 lors de la saison 2017-2018 toque à ta porte. Ma petite question, c'est comment se passe ton intégration? Ah, ça s'est très très bien passé. Dès le début, alors faut savoir comment. T'es sûr que ça se passe bien? Ah ouais, ouais. T'es sûr? Je te demande. Non, ça s'est très bien passé. Parce que j'ai une petite question. Mon intégration au Mans? Ton intégration, hein. Ouais. Parce que j'ai une petite question de Nicolas Suchet. Qu'est-ce qu'il me veut, lui, encore? Coucou, mon quinquin. Je voulais que tu racontes une petite anecdote concernant notre plus ou moins rencontre sur un terrain de foot, ou que tu racontes un peu ce taureau que nous avons subi, parce que je dis bien subi, où nous avions pris 40 à 50 pages, je sais plus trop, où avant de découler sur une superbe amitié qui va bien au-delà du football, c'était un peu tendu. Ah, lui déjà dès le début je l'ai pas aimé, Nicolas Suchet, je pouvais pas le voir, il arrive de Lyon la Duchère et
Et t'as l'impression que c'est le mec qui a énormément d'expérience et il monopolise l'attention et tout. Je me suis dit, ah, lui, il est un peu chelou. Et sur un taureau, on prenait le bouillon et je crois qu'il fait une réflexion et je lui renvoie une directe dans la gueule. Et il était choqué, il est resté comme ça. Et ouais, je me souviens de ça. Mais par contre, l'intégration s'est très bien passée. Et depuis, avec Nico, depuis ça, on est de très, très grands copains. Il t'appelle Quinquin dans la vidéo, c'est quoi ce surnom ? Et c'est mon Quinquin, en fait. Je sais pas, depuis, ça fait combien de temps on se connaît ? Depuis 3 ans. Ben voilà, les premiers mois, c'était un peu compliqué avec lui. Et puis tout de suite, on est devenus potes. Et je sais pas, il m'a appelé mon Quinquin. Et depuis, dans mon téléphone, c'est mon Quinquin. Et quand on s'appelle au téléphone, voilà, on s'appelle comme ça. Donc si Nico ne va malheureusement pas être conservé, toi tu vas connaître toutes les montées de la Nationale 2 à la Ligue 2 en devenant même capitaine sous Richard Désiré. Comment tu as appris que tu allais porter le brassard ? Quand je suis arrivé au Mans, donc au bout de quelques mois, j'ai vu que j'étais troisième capitaine. Et le relais s'est fait surtout cette saison parce qu'il a préféré me mettre capitaine moi plutôt que Alex Vardin. Et voilà, en début de saison, il m'avait dit, écoute, je pense que Steph Vincent va un peu moins jouer cette saison et donc il faut que tu sois prêt à prendre le brassard si jamais il ne joue pas. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, je l'avais déjà été sur quelques matchs quand Steph ou Alex n'étaient pas là. Et c'est un rôle que j'ai adoré. Et voilà, depuis bientôt un an, c'est mon rôle au sein du groupe. Après, je ne suis pas le capitaine qui va aboyer sur tout le monde. Je suis plus... à vouloir montrer l'exemple, montrer ce qu'il faut faire plutôt que de gueuler. Mais en tout cas, c'est un rôle que j'apprécie. Ouais. Dans l'histoire du monde, tu succèdes à des grands noms comme Laurent Bonnard, Romaric ou Fred Thomas. C'est une fierté d'avoir le brassard du Mans ? Ah ouais, totalement. C'est une grande fierté parce que le Mans, c'est un club qui me tient beaucoup à cœur. C'est le club qui m'a fait signer mon premier contrat pro, qui m'a fait confiance quand j'étais en CFA à Granville et pouvoir déjà porter le maillot. Honnêtement, porter le maillot du Mans, c'est une fierté, mais en plus d'être le capitaine, d'autant plus quand on sait les noms que tu viens de citer. C'est une petite revanche par rapport à ceux qui n'ont pas forcément cru en toi auparavant ? Il y en a qui aiment beaucoup dire non, il n'y a pas de revanche, mais oui, honnêtement, c'en est une. C'en est une parce que toute ma carrière, ça a été compliqué dans le sens où on n'a pas cru en moi. Déjà à Rennes, à l'époque, j'étais pas au centre de formation, j'étais dans l'équipe amateur en DH avec Pierre-Emmanuel Bourdeaux. Et voilà, heureusement, grâce à lui, bon, bah, mon travail, mais par exemple des mecs comme lui, comme Pierre-Emmanuel Bourdeaux, qui m'ont fait confiance, eh ben, j'ai réussi à montrer aux gens que voilà, je suis capable d'avoir ma place en Ligue 2 et qui sait, peut-être plus. Est-ce qu'il y a un moment fort dans ta carrière de capitaine au Mans que tu retiens plus que les autres ? En tant que capitaine, je me souviens surtout du match face à Orléans. C'est bon ça ! C'est tout simplement génial ! C'était en Coupe de la Ligue, on perd 2-0, on revient à 2-1 et je mets le 2-2 à la dernière minute. Là, on sentait qu'il y avait quelque chose quand même, qui commençait à se créer. Et voilà, on était tous soudés sur la séance de pénalty. Là, c'était un moment fort, et d'autant plus que je mets ce deuxième but. C'est des sensations dingues. Tout à l'heure, tu parlais de soldat. C'est vraiment ce qui te définit, toi ? En tout cas, c'est ce que j'essaye d'être. C'est un soldat, c'est à toute épreuve. C'est que ça aille, que ça aille pas, c'est d'être là pour les collègues, c'est surtout qu'ils puissent compter sur moi et moi sur eux. Ce mot soldat, pour moi, il est important parce que je pense qu'on ne fait pas d'équipe seulement avec des joueurs qui sont bons techniquement. Il faut faire une équipe avec des mecs qui sont prêts à s'arracher pour toi. Voilà, pour moi, c'est super important et j'essaie d'en être un, en tout cas, à chaque fois que je foule une pelouse. Maintenant que tu as réellement goûté au monde professionnel, tu te vois redescendre en national ou pas ? Ça, c'est la question. Après, moi, j'ai toujours été franc. Même quand je suis redescendu en CFA2 avec Granville, j'ai toujours dit, et certains ont dû me prendre pour un fou à l'époque, mais que je voulais retourner pro, même si aujourd'hui, on était en CFA2. Et voilà, moi, j'ai de l'ambition et je ne compte pas arrêter ma carrière. Enfin, je compte la continuer dans le même sens et essayer d'évoluer. Donc après, voilà, ça sera des discussions dans les semaines à venir. Mais
Après, peut-être que ce sera pas cette saison, l'année prochaine, ou je sais pas, mais en tout cas, je compte pas m'arrêter là dans le monde pro. En tout cas, on a une petite question bonus pour finir. Petite question bonus, je sais que t'es un garçon plein de projets, alors je voulais savoir comment tu te voyais dans 10 ans. Plutôt agriculteur, plutôt coach, ou plutôt entrepreneur? Allez, bisous l'ami! Dans 10 ans, il dit agriculteur parce que lui, il s'est lancé dedans aussi. Il s'est lancé, voilà, un petit peu, il y a 2 ans à peu près, il s'est lancé, il a monté son truc. D'ailleurs, beaucoup de courage à lui pour avoir fait ce qu'il a fait, je suis admiratif. Et donc après, il propose coach, pas du tout. C'est vraiment pas ce que je souhaite faire. Moi, une fois le football fini, je pense que je raccroche. Et comme il a dit, plutôt entrepreneur, où j'ai commencé à essayer de faire autre chose à côté. Et je vois plus mon avenir là-dedans que dans le football. Là, t'as déjà essayé de faire quelque chose d'autre à côté? Non, en fait, c'est plus des investissements avec... Businessman Pierre Lemony, alors. Et... C'est un peu ça, mais en tout cas, c'est l'idée dans 10 ans, c'est d'être dans autre chose et pourquoi pas indépendant financièrement grâce à ça.